ce nouveau cours de ukulélé avec Upa Upa Tahiti. Aujourd'hui, je vais vous jouer la musique Marae Turaina de Teicho. C'est une musique que vous m'avez beaucoup demandé dans vos recommandations. Du coup, ben, je l'ai apprise cette semaine et à mon tour maintenant de vous l'apprendre. Musique simple avec 4 accords. Je vais vous donner les accords avec lesquels je vais jouer pour le pays long. En fait, je les ai transposés pour que je puisse les chanter parce que je chante plus comme dans les aigus. Et du coup, je vais la jouer en do. Donc, je vais vous donner les accords. Il y en a 4. Hein. Donc, 4 accords pour la jouer en do. Mais je vais aussi vous donner les accords pour la jouer en si bémol. Ça va être vraiment pour ceux qui chantent un peu plus grave. Enfin, un peu plus grave comme ben, vous, messieurs. Voilà. Donc, je vous manque 4 accords. Pour la frappe, elle va être spéciale. En fait, je ne vais pas vraiment vous donner une frappe de. Comment dire, locale ou quoi. Ça va être juste un rythme avec une frappe vers le bas avec le pouce seulement. Enfin, je vais vous montrer ça plus tard. C'est parti. Donc, pour les accords que je vais jouer dans le play along, pour ceux qui chantent dans les aigus plus, on va commencer avec l'accord C. Troisième case, quatrième corde. On enchaîne avec l'accord E mineur ou EM. Venez positionner votre index, deuxième case, quatrième corde. Votre majeur, troisième case, troisième corde. Et votre annulaire, quatrième case, deuxième corde. Comme un escalier. On continue avec l'accord G. Donc, venez poser votre index sur la deuxième case, deuxième corde, majeur, deuxième case, quatrième corde, annulaire, troisième case, troisième corde. Et là. Ensuite, on va avoir l'accord D. Donc, à ce moment-là, c'est un barré. Donc, vous venez avec votre majeur et vous barrez les 3 premières cordes en partant du haut de la deuxième case. Donc deuxième case, première, deuxième, troisième. En essayant toujours de ne pas barrer la dernière. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ça sonne bien quand même. Voilà. Un peu dur ça d'ailleurs. En tout cas, voilà, ça c'est les accords que je vais utiliser dans le play along. Je vais vous donner un peu le temps, enfin je vais vous la chanter un peu, vous voyez la tonalité, et après je vais vous montrer une transpose, donc avec des accords plus pour ceux qui chantent dans les graves, avec une voix grave. Donc je vais vous montrer une transpose. Donc pour cette suite d'accords, la musique se joue. Ensuite, pour la deuxième partie, donc les accords, mais pour cette fois une tonalité plus grave, on va commencer avec l'accord B bémol. Donc, avec votre index, venez barrer les deux dernières cordes vers le bas de la première case. Ensuite, vous montez en escalier, donc avec votre majeur, deuxième case, deuxième corde, et troisième case, première corde avec votre annulaire. Donc je le positionne, donc les deux dernières cordes de la première case, la deuxième corde de la deuxième case et la première corde de la troisième case. Là, c'est un bémol ou un A dièse aussi. Donc des bémols.
on enchaîne avec l'accord F. Donc venez positionner votre index sur la première case, troisième corde, et votre majeur sur la première, deuxième case, pardon, première corde, juste ici. Voilà. Et là. Alors, sans bouger les doigts, on enchaîne avec l'accord D mineur. Donc, vous venez juste rajouter votre annulaire sous le majeur. Donc, la corde sous le majeur. Donc, qui est juste ici. Là. Donc, je vous redonne les positions. Donc, en D mineur. Première case, troisième corde. Et deuxième case, première et deuxième corde. Et on termine avec l'accord C, donc première, troisième case, quatrième corde. Donc pour cette suite d'accords là, la musique se joue dans les, comment dire, les tonalités plus graves. Donc, je vais vous montrer. Donc c'était les deux suites d'accords que je vous propose pour cette chanson. Maintenant on va passer à la frappe. Donc pour la frappe ça va être un peu différent. En fait je vais jouer personnellement cette musique vu qu'elle est très très douce. Enfin, en tout cas je l'ai apprise vraiment douce. Donc je vais, au lieu de faire une frappe, vous savez, avec mon index où je frappe les cordes comme ça, avec une... je vais juste venir faire une frappe vers le bas. Donc venir glisser mon pouce en fait sur les cordes. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu le rythme. Ça va être bas, bas, au bas, 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 au bas. Avec les accords. C'est tout pour la frappe. Maintenant, après, si vous avez la vôtre, vous pouvez la caler aussi sur le play along. Voilà, maintenant on va passer au play along. Thank you.
merci d'avoir joué avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et aussi à vous abonner à Upa Tahiti. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tuto. D'ailleurs, j'ai peut-être une idée de concept. En fait, ce serait de faire un mois un artiste local, un artiste polynésien. À voir. Et je vous en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. En tout cas, je regarde toujours vos suggestions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager. On se retrouve la semaine prochaine. Nana, bon week-end.